Invité d'un dimanche à la campagne, le danseur François lui est revenu sur les douloureuses années de harcèlement qui l'ont mené à développer des troubles du comportement alimentaire. Ex-danseur étoile de l'Opéra de Paris, François Alu est aujourd'hui connu du grand public depuis qu'il est membre du jury de Danse avec les Stars, dans lequel il est entré en 2021. Il est également, depuis la même époque, auteur de son premier spectacle de seul en scène, forme de thérapie dans lequel sont mêlés humour, danse et théâtre et qui lui permet, grâce à différents personnages qu'il endosse, de se confier sur son parcours de danseur et sur toutes ces petites voix qu'il a dans la tête. Des petites voix qui ne lui ont pas toujours voulu du bien. Ce 29 janvier, alors qu'il était invité du nouveau numéro d'un dimanche à la campagne de Frédéric Lopez, il a passé une journée hors du temps avec Chimène Badi, qui s'est récemment fait remarquer en annonçant qu'elle avait rompu avec son compagnon, et avec le comédien Michel Bougina. On me disait, doit s'affiner. Au cours de l'émission, le danseur a évoqué son enfance compliquée en se confiant plus particulièrement, tout comme Chimène Badi, sur le harcèlement qu'il a subi depuis très jeune, à cause de son physique et la difficulté que cela a été lorsqu'il était à l'école de danse de l'Opéra National de Paris. Ça a commencé quand je suis entré à l'école, donc de mes 10 à 15 16e dans quoi. On me disait doit s'affiner. C'était le truc qui revenait tout le temps. On m'a déjà dit toi t'as vu avec ton CL, avec tes cuisses. Enfin, les élèves aussi, qui viennent piquer. Chaque année on peut se faire virer de l'école de danse, donc chaque année moi je passe et je me dis si est-ce cool, on est une équipe. Je suis hyper naïf mais il y a un moment où je me dis je vais fermer le gilet par balle parce qu'un fessier est hyper dur. On me percute. Des élans de boulimie encore aujourd'hui. François Alu a ensuite pris le temps d'expliquer le mal durable qu'ont pu faire ses remarques sur son physique inscrites sur son bulletin, sacré des désordres alimentaires. Il y a des moments, même encore aujourd'hui. Ça va mieux parce que je vois une psy depuis 7 ans donc ça se calme mais il y a encore des moments aujourd'hui où j'ai des élans de boulimie et je vais me jeter sur la bouffe. Je repense à une période qui était un peu plus sombre où je regardais des films et j'avais mon paquet de bonbons, ma pizza, mes gâteaux, mon soda. Et j'étais là je suis bien sous ma couette à bouffer et en fait j'étais juste en train de me détruire. Et l'artiste en est sûr, ce qui lui a donné le courage de poursuivre, alors qu'il appelait sa mère en pleurs, si est-il son amour pour la danse. À lire aussi mes cuisses étaient imposantes, François a lu critiquer sur son physique à l'école de danse.